à tous, bienvenue sur la 3, roulement de tambour, voici Tam Tam. Il y a un paquet d'années d'ici, les Grecs de l'Antiquité nous racontaient la légende de ce vieux cygne muet qui, le jour de sa mort, chanta pour la toute première fois. Et d'une manière magnifique, d'où l'expression populaire bien célèbre, le chant du cygne, qui désigne la dernière œuvre d'un artiste avant de mourir. Mais ce soir, c'est du côté de la vie que Tam Tam aimerait vous emmener avec des invités qui, à défaut de chant du cygne, chantent avec des cygnes. Cette semaine, l'équipe de Télévision du Monde est partie à la rencontre des élèves de la classe École et Surdité de l'école Sainte-Marie de Namur, où les élèves et les enseignants travaillent main dans la main et d'arrache-pied pour mettre en place un spectacle musical ambitieux, très humain et rassembleur, un spectacle donc de chant signé. Tout cela sous le regard bienveillant et attentif du chanteur engagé Rafi Raphaël, et qui nous prouve que deux langages peuvent se rencontrer au détour d'une chanson qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas interdite aux personnes sourdes et malentendantes. On regarde. Par le bout du nez. Les gestes. Padala. 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 Pas mal, pas mal. Le projet, un projet d'une part d'apprentissage de chansons, de mon répertoire, de le mettre en spectacle, un peu une école de la chanson du spectacle pour 200 enfants de 4e, 5e, 6e primaire, et puis un travail d'écriture de chansons avec les premières, deuxième, troisième, et le groupe École et Surdité qui a fait un travail d'apprentissage de quelques chansons du spectacle et qui a fait un travail d'écriture de une chanson. En partant de la langue des signes, une chanson que j'ai traduite en langage musical et verbal. Et le résultat, le chemin a été magnifique. Si tu es fatigué, couche à soi terre, dans ses mains, viens rouler, t'es notre mère. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains, viens rouler, elle est notre mère. Et on baisse les bras quand je commence à chanter le deuxième couplet. Lors du spectacle, les enfants d'École et Surdité vont venir chanter avec nous 6 chansons. Pendant le reste du spectacle, Cindy restera près de Rafi pour signer pour le public. Parce que les enfants malentendants ont souvent des parents qui n'entendent pas non plus. Donc ces parents vont être dans le public. Et pour que tout se passe bien et que les parents comprennent ce que les enfants chantent, Cindy va signer les chansons. D'accord ? Anaïs, enfant du délice. Anaïs, enfant du délice. Un jour, l'aéroplan de ton père coula en air ta grand-mère. Alors comme un bateau d'étoiles, son ventre est devenu lui voile. Anaïs, mon enfant métisse. Anaïs, enfant du délice. Anaïs, mon enfant métisse, Anaïs, enfant du délice. Bonjour, belle jeunesse. Bonjour. Bonjour, belle sagesse. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on a commencé le travail de création de chansons, de répétition au mois de novembre l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que je viens avant le spectacle qui a lieu samedi prochain. Et aujourd'hui, on va simplement répéter les 9 chansons. Ça va ? Fais-moi un beau compliment et je serai tout content si tu m'en fais. Il y a 7 chansons qu'on va chanter que Rafi Raphaël a inventées lui-même. Et on en a inventé 2 autres qu'on va chanter. Et donc en tout, ça fait 9 pour le spectacle. Ça me fait du bien parce qu'on est ensemble. Et que quand on est tout seul, on est un petit peu timide. Et quand on est avec tous les copains, on n'est pas trop timide. C'est cool, Rafi Raphaël. Ce projet, il est génial. Donc voilà, souvenez-vous, hein, le projet de toute l'année avec vous, cela a été évidemment d'écrire quelques chansons ensemble, d'apprendre certaines de mes chansons, de les présenter en spectacle. Mais il y a aussi les enfants d'École et Surdité qui ont appris des chansons, qu'ils signent
dans leur langue des signes, et ils ont écrit une chanson en langue des signes, en partant la langue des signes. Et donc, quand je les ai vus en train de signer, il y a un rythme qui est venu en moi-même, qui est ce rythme-ci. Tout simplement. Et puis, les paroles sont venues. Qu'est-ce que vous voulez dire avec les signes? Ben, on essaye de dire que la vie, on aime la vie. Ah ben, aimer. Et puis, c'est comme ça que la chanson s'est construite. Tout simplement. OK? Je vous la chante, vous pouvez la chanter avec moi. Aimer, c'est la vie. La vie, c'est aimer. Pour tous les vivants dans le monde entier. Encore. Aimer, c'est la vie. La vie, c'est aimer. Pour tous les vivants dans le monde entier. Pour tous les vivants dans le monde entier. Pour tous les vivants dans le monde entier. Ouais. Ce sera école et musculature. J'ai quelque chose à vous dire de très important. Ce matin, j'ai travaillé avec la classe de M. Poncelet, Mme Bernier, Mme Anne Delplanque et Mme Marie. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? De toutes les chansons écrites avec les enfants, celle qu'ils préfèrent, c'est la vôtre. Voilà. Ils la trouvent magnifique. Alors, évidemment, dans le spectacle, votre chanson « Aimer, c'est la vie », on va la faire chanter par le public, dans la salle. Ça va ? 1, 2, 3, 4. Le monde est un grand jardin, un jardin plein de parfums, parfums de toutes les couleurs, qui me prennent par le cœur. Parfum du bon pain qui cuit et nous ouvre l'appétit, la bonne soupe des mamans qui fait pousser les enfants. Mais de tous ces parfums doux, quel est celui qui surtout me met les narines sans dessus, dessous? C'est le parfum de ma belle, celle qui me donne des ailes, le parfum de son sourire qui me comble de plaisir, le parfum de ses beaux yeux qui me rend tellement heureux, et le parfum de muguet de ses secrets. C'est un projet humain, un projet de cohésion sociale, de travailler la relation humaine à travers l'expression artistique et l'expression vocale, donc le chant, la chanson. Ce que moi ça m'a apporté, ce que ça m'a appris de nouveau dans mon chemin, c'est la beauté, la vérité, la profondeur de la langue des signes. C'est une langue à part entière, c'est une richesse, et ça met en vibration, ça met en mouvement tout le corps. Voilà, c'est le visage qui parle, ce sont des gestuels, ce sont des mimiques, ce sont les mains, le corps. Et là, moi, j'ai pris une claque dans la figure, une belle claque. Et voilà, je ressors. De la terre, vivras-tu encore, bon papa grand-père? Quand tu seras mort, au fond de la terre, vivras-tu encore, mon petit bonhomme? Au-dessus de moi, plante un grain de pomme et il fleurira. Mon petit bonhomme, au-dessus de moi, plante un grain de pomme et il fleurira. Bon papa grand-père, quand tu seras mort, au fond de la terre, vivras-tu encore? Bon papa grand-père, quand tu seras mort, au fond de la terre, tu vivras encore. Le monde est un grand jardin, un jardin plein de parfums, parfums de toutes les couleurs, qui me prennent par le cœur. Parfum fleur de l'oranger, parfum fort du bon café, parfum qui me mène par le bout du nez, et parfum du bon pain qui cuit. Et nous ouvre l'appétit. La...
la musique pour eux, comment ils vont la percevoir, ça va être un peu différent de chacun. Donc chaque enfant sourd a sa personnalité, son profil de surdité. Certains enfants vont entendre la musique et vont partir dans cette rythmique de son. D'autres enfants n'entendent pas du tout la musique. Et donc il va falloir faire passer le son, les textes, les émotions, tout ça par le corps, par les expressions et par la langue des signes. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le rythme du corps, parce que certains enfants ne connaissent pas le rythme. Et sans ça, pas de musique. Ces enfants ont travaillé le rythme, ils ont travaillé les rythmiques aussi, les différences entre, entre simplement une chanson très calme et douce, avec un tempo très calme, et puis une chanson qui est très rythmée. Voilà, ils ont appris aussi ces différences-là. Des choses qui parfois sont naturelles chez les enfants entendants, mais pas du tout chez les enfants sourds. Et ce qui est envahissant, c'est le parfum de l'encens. Et ce qui me laisse pantois, c'est le putois. Ben on s'est bien entraîné, j'avais bien compris, donc je l'ai bien senti, là, ça s'est bien passé. Voilà, puis j'ai eu un peu la chair de poule, chanter avec Rafi Raphaël. Je pense que ma maman était contente aussi de me voir, donc c'était vraiment bien. Maintenant, cher public, voici arriver le moment de la chanson inventée par le groupe École et Sphère. Je vous invite à la chanter avec nous. Elle est superbe. Aimer, c'est la vie. La vie, c'est aimer. Pour tous les vivants. Dans... Les enfants ne connaissant pas du tout la musique et des enfants connaissant peut-être un peu de musique se sont rassemblés. Pour les enfants entendants, je crois que c'est la même chose. Ils ont travaillé comme des fous toutes les semaines à apprendre des textes, à connaître, à chanter, à inventer des chansons, de la même façon que les enfants sourds l'ont fait aussi. Donc voilà, on est vraiment dans cette égalité malgré ces différences. Un petit garçon, un grand garçon qui arrive sur scène n'entendant pas du tout la rythmique, etc., n'entendant pas du tout les instruments, qui va produire un spectacle magnifique, ben là je tire mon chapeau. Tam Tam revient la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.